On part maintenant sur les traces de la reine Victoria. Au palais de Buckingham Palace à Londres, où une exposition lui est consacrée pour célébrer le 200e anniversaire de sa naissance. On y découvre notamment comment la reine a fait le palais qu'on connaît aujourd'hui, une maison familiale et le siège de la monarchie britannique. Anaïs Cordoba. Le palais somptueux d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui où Victoria, 18 ans, emménage 3 semaines après son accession au trône. Vide, en plein travaux, les cheminées et les toilettes ne fonctionnent pas. Liz Peter, curatrice de la Royal Collection. La reine Victoria adorait quand même y vivre. Dans son journal, elle en parle avec éloquence, trouve que c'est joyeux. Elle s'y sent chez elle, à Kensington Palace où elle a grandi. Elle ne se sentait pas en liberté, sa mère contrôlait tout. Elle fait construire la façade publique du palais avec le balcon d'où la famille royale salue la foule lors des grands événements. Sous son règne, Buckingham devient un point de ralliement national, ainsi qu'une maison familiale où elle accouche de 8 de ses 9 enfants. Elle a la réputation de ne pas être une bonne mère, mais elle aimait beaucoup passer du temps avec ses parents. Chaque soir, elle avait l'habitude de donner le bain aux plus jeunes d'entre eux. La reine et son mari, le prince Albert, passaient beaucoup de temps dans la pouponnière du palais. Ce n'était pas courant pour l'époque. Dans les familles victoriennes, souvent les enfants étaient élevés dans la pouponnière et voyaient à peine leurs parents. Des dents de lait des petits princes aux robes de balles scintillantes, les trésors de la vie quotidienne de cette grande reine, rarement montrés au public, sont à découvrir jusqu'au 29 septembre. Londres, Anaïs Cordoba, Europe.